alors que son mari, le prince William, dévoilait la fin de son grand projet pour lutter contre le mal logement ce mardi 27 juin, Kate Middleton était quant à elle engagée pour la cause des femmes dans le sud du pays. Rayonnante, elle avait soigné sa tenue et misé une nouvelle fois sur un détail look déjà beaucoup utilisé ces derniers jours. Sa tendance de l'été, d'habitude très concentrée sur la santé mentale chez les jeunes, son grand cheval de bataille depuis plusieurs années, Kate Middleton a rejoint Southampton pour un autre but ce mardi 27 juin. Elle était en effet attendue dans une maison qui accueillera 5 femmes normalement emprisonnées mais qui tenteront de se réinsérer dans la société sous surveillance. Très souriante, la mère de George, 9 ans et demi, Charlotte, 8 ans, et Louis, 5 ans, est arrivée dans une tenue très élégante, une robe noire à pois blancs, associée aux chaussures Alessandra Rich déjà portées la semaine dernière. Les cheveux tirés en arrière, elle était très classe, comme toujours, mais ses admirateurs n'ont pas pu s'empêcher de remarquer que les robes à pois semblent être devenues son détail look préféré. Déjà la semaine dernière, elle avait tenté une robe de la même marque, mais blanche à pois noirs, pour la cérémonie de l'ordre de la jarretière. Et ce n'est pas tout, l'an dernier à la même période, elle en avait choisi 3 d'affilée. Serait-ce en train de devenir sa tendance personnelle? Cela peut tout à fait être possible, surtout que Kate Middleton a toujours adoré les robes avec ce motif, déjà lors de sa sortie de la maternité pour son fils aîné George, elle en portait une. Mais dans un tout autre style. Les internautes, en tout cas, ont été très partagés, si la plupart ont adoré, soulignant qu'elle bat tout le monde avec ses robes, ou encore que si est-il une de ses plus belles tenues, d'autres se sont montrés plus critiques, rend cette robe aux années 80 où elle aurait dû rester, peut-on lire en effet. Mais tous saluent une chose, le recyclage d'anciennes robes. Ce qu'elle ne fait malheureusement pas assez souvent. Retrouvaille avec une amie. Sur place, en plus de sa rencontre avec les femmes concernées par cette maison d'un genre nouveau, à qui elle a laissé un adorable message, « Je vous soutiens et je suis avec vous. » Bonne chance dans tout ce qui vous attend, Kate Middleton a semblé particulièrement ravie de retrouver une femme qu'elle connaît très bien, une amie d'enfance de son mari le prince William. Solaire dans sa robe rose, Lady Edwina Grosvenor était en effet impliquée dans cette belle mission et aurait rendu fière sa marraine, Lady Diana. Kate Middleton, quant à elle, a semblé très familière avec elle et l'a embrassée avec un grand sourire. Il faut dire que le frère de la jeune femme, Hugh Grosvenor, est l'un des parrains de son fils George. On imagine qu'elle lui a passé le bonjour de ce dernier, mais aussi du prince William, qui ne l'avait pas accompagné. Et pour la bonne cause, puisque le fils de Lady Diana a dévoilé ce mardi la fin de son plan contre le mal logement dans différents endroits du pays. En les visitant, il a échangé des petites blagues avec ses hôtes, notamment sur son grand-père le prince Philippe, et s'est éclaté avec un groupe d'enfants.